Mais ces dames, la famille, la société, tout un ami, frère, accès, compatriote, moyen, et tout un collaborateur qui connecte nous tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir pour nous tous, bienvenue sur la plateforme. Non, nous encourageons, amis, nous frères, nous. Merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour nous capables ensemble avec nous. Je dis à ce samedi, nous vivons samedi 24 juin, ce week-end, nous souhaitons bon week-end, bon samedi à tous les amis fanatiques nous. Pas oublier, sous poil enjoy ou sous poil défouler ou mettez en application toutes mesures de précaution pour nous protéger tête nous, protéger tout le monde qui entoure nous. Si nous poil boire, pas conduire, si nous poil conduire et pas et bref, toute équipe là est nous déjà motivé et mobilisé. Nous pourrons partager avec vous toute information, toute nouvelle qui a bouleversé la ville pays d'Haïti. Nous portons pour magazine InfoVision qui passait sous radio Vision 2000 avec staff et nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. InfoVision, le journal du matin de radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur radio Vision 2000. Merci d'écouter Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue à InfoVision. Au sommaire de cette édition, cet agent de sécurité de la compagnie alternative enlevé dans la nuit du 18 au 19 juin dernier sur leur lieu de travail à l'hôpital communautaire de Bon Repos ont été libérés hier par les ravisseurs. Ils ont été déposés au même endroit, a confirmé le coordonnateur général de l'Association des agents de sécurité professionnelle, Junior Desroses. L'homme d'affaires André Apède ainsi que les chefs de gang Vité l'homme innocent, Wilson Joseph alias Lambert, Sanjou et Johnson André dit ISO ont été sanctionnés par le Canada pour violation des droits de la personne, y compris la violence sexuelle en Haïti. Le juge Jean-Wilner Morin a émis hier un mandat d'amener contre l'ancien directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéri, inculpé dans le dossier du massacre de La Saline. Monchéri, qui ne s'est pas présenté hier au cabinet du magistrat instructeur, lui a signifié un acte manuscrit en désistement reproché au juge d'être trop proche du directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, avec qui il est en conflit ouvert. L'ancien délégué départemental de l'Ouest, Joseph Pierre Richard Duplan, également inculpé dans ce dossier, qui devait répondre lui aussi aux questions du juge Jean-Wilner Morin, a sollicité via ses avocats un report de son audition au 3 juillet prochain. Le coordonnateur du parti rénovateur haïtien Francisco de la Clous préconise un collège présidentiel aux côtés du Premier ministre Ariel Henry dans l'objectif de parvenir à une solution rapide à la crise pour organiser des élections. Il met en avant l'incapacité à écarter du pouvoir Ariel Henry qu'il considère comme un ouvrier de la communauté internationale. Reprise partielle hier des activités au parc industriel de Wanamet, les responsables de la Codevi avaient été contraint de fermer le parc après les incidents du 14 juin au cours duquel deux ouvriers et un adolescent ont été tués. Une délégation composée de représentants du gouvernement, de l'inspection générale de la police nationale et d'associations syndicales a séjourné à Wanamet dans le cadre d'une enquête diligentée par le ministère des Affaires sociales sur ces graves incidents. Les responsables de Family Health International ont remis hier à la direction départementale du Sud une centaine de bonbonnes d'oxygène destinées aux différents hôpitaux du Grand Sud. Ce centre de stockage de cylindres d'oxygène a donc été établi au CAI dans le cadre d'un projet de l'ONG financé par le gouvernement américain via l'USAID. Hors de nos frontières, la Croatie, le Cameroun et le Vietnam ont été placés hier sur la liste grise des pays soumis à une surveillance renforcée par l'Organisation de lutte contre le blanchiment, groupe d'action financière GAFI, selon un communiqué a rapporté Le Point. Et puis, le président russe Vladimir Poutine s'est vigoureusement dressé ce samedi contre la trahison du chef du groupe paramilitaire Wagner
en pointant le risque de guerre civile. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radiovision 2000, l'information, c'est notre métier, l'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier, informer, c'est notre passion. Benjamin Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Cet agent de sécurité de la compagnie alternative, enlevé de la nuit du 18 au 19 juin dernier sur leur lieu de travail à l'hôpital communautaire de Bon Repos, ont été libérés hier par les ravisseurs. Ils ont été déposés au même endroit, a confirmé le coordonnateur général de l'association des agents de sécurité professionnelle, Junior Desroses. Comme à Tabar, plusieurs cas de kidnapping ont été signalés ces derniers jours dans les quartiers au nord de la capitale haïtienne. Écoutez les explications de Junior Desroses au micro de David Locher. Et lundi 19 juin 2023 à 1h du matin, M. Jeff Canario est débarqué dans l'hôpital qui est l'hôpital Matéli Canarin et levé 6 mounes environ, même s'il mettait 7, c'est 6 parce que il y a un citoyen à la croix avec par agent sécurité, mais il a levé le tout. Et puis il est allé avec monsieur. Donc depuis lundi 19 là, il vous parle ça. Le matin à 1h du matin encore, il vient de prisonner dans le même côté où il prend. Donc monsieur actuellement est avec famille. Agent sécurité, ça est libéré. Est-ce que vous prenez rançon dans mes familles ou bien est-ce que vous pas prenez rançon? Nous-mêmes étant que syndicat agent sécurité, nous sommes contre nouvelle là. Une fois que monsieur c'est pas dans la rue qui ont été prend yo, c'est pendant y'a travail même qui ont été venu prendre. Donc ça c'était sous responsabilité compagnie alternative sécurité. Donc nous-mêmes nous mettez tout point de gain en balance sous deux compagnies sécurité à vous dégager ou comme Jean-Jacques. Il était même pas ultimatum pour ne pas quitter la semaine passée pour monsieur pas retrouver les femmes. Oui, il y a un rançon qui baille, mais nous-mêmes, dans l'association, nous ne savons pas si on est combien de rançons parce qu'une des 10 compagnies dégagent tout simplement pour nous retrouver les familles, c'est un souffle. Et ça, j'aime ça du qui réussit fait matin, bien bonheur. Il y a tout agent sécurité qui, dans son auto, nous connaissons le groupe Vite l'homme dans eux-mêmes, ils ont été débarqués. Après, il n'y a pas de nouvelles, agent sécurité, ça y est. Qui dernier nouvelle, nous-mêmes, au niveau syndicat ASP, nous-mêmes, nous gagnons de l'agent sécurité, ça y est. Pour agent sécurité son auto, jusqu'à présent, on n'a pas la valeur bagou, aucune nouvelle, parce que il est compliqué pour nous lorsque les gens ont des problèmes, ils ne sont pas membres syndicats. Les ça, nous avons pris un paquet de mois pour j'ai une information nécessaire. Jean Baléa, est-ce que ça veut dire agent sécurité qui était dans son auto, ils n'ont pas fait partie de ASP? Non, ils n'ont pas fait partie de ASP, nous n'avons pas eu aucune information personnelle sur eux. Ni pas aucune famille tout qui vient dans le bureau syndicat pour avoir une bonne doléance quelconque. Donc nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Bagaille, c'est nous-mêmes qui avons mené à prison quelque chose. Jusqu'à présent, nous sommes de bonnes pistes que nous n'avons pas qu'à parler qu'on y a, parce que si nous avons un très bas, nous disons que ça a empêché qu'il nous ait une information qu'il y a besoin. Mais dès que nous jouons ça, nous avons toujours continué à rendre public parce que nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à dire n'importe quoi. Ça n'a pas dit qu'il faut assurer que c'est des informations qui vérifient avant qu'ils nous baillent avec le grand public là. Et ce n'est pas la première fois que le groupe Vite l'homme, ça, lui-même, des agents de sécurité victimes en baillot. Ce n'est pas les baillots, pas parler pour sécurité. La vie sur l'agent sécurité ça qui a défendu des goudets qui par contre n'a rien ça qui a passé malheureusement c'est une victime. Donc c'est pas ton première fois. Le porte-parole de la PNH dans le Nord, Harold Jean, a annoncé hier l'arrestation de deux membres présumés du gang de Canaran. Jennifer Bataille et Junior Saint-Hilaire ont été appréhendés de la commune de Cartier-Morin. Ils avaient pour mission d'établir une ramification du gang de Canaran à Limbé avec la complicité d'autres bandits dans la région. Les détails avec Jean-Rodepaul. Jennifer Bataille, qui a fonctionné tout sous prénom Jessica ou Rose André, qui gagne 29 l'année, avec Junior Saint-Hilaire 35 l'année, c'est non deux individus présumés membres gang Canaan que la police n'en cap haïtien jouqué en bas code dans la zone l'hôpital Convention Baptiste qui est dans la commune Quartier Morin semaine passée. Deux Mounsayo ont gagné mission en complicité à Claude Bandi dans la région Noire pour mettre en sécurité gang Canaan dans la 8e section communale Limbé, qui c'est Iloacon, selon porte-parole PNH là, dans le département Noir qui a confirmé l'information dans le micro Radio Vision 2000.
Inspecteur divisionnaire Awol Jean qui dit que deux membres gang canard la police arrêté au passé aux aveux précisé bandit après le faire région nord tourner région métropolitaine Port-au-Prince là dans affaire insécurité. Porte-parole PNH là dit tout force l'audio il veut poser la patte sous Jennifer Bataille avec Junior Saint-Hilaire après une discussion qui était éclatée entre eux sous lien yota gain avec chef gang canard qui c'est Jeff ainsi connu. Inspecteur divisionnaire à Waljean pour plus précision. C'était gang canard à travers eux-mêmes qui c'est des envoyés du gang qui ont établi une ramification, une antenne, une succursale même de gang dans la zone Limbé avec objectif surtout pour kidnapper les gens dans Limbé et dans toute zone nord là pour gang. Rappelez-nous deux mouns qui ont arrêté. Deux mouns, c'est Jennifer Bataille alias Jessica ou bien Rose André qui a 29 ans. Et puis Saint-Hilaire Junior qui a 35 ans. Vous dites qu'il fait des confidences à la police, il passe aux aveux alors? Effectivement, il passe aux aveux, il n'a pas négligé d'expliquer à la police le rapport qu'il a gagné avec un certain chef ainsi connu qui est responsable chef de gang ça, dans le Canada. Et il a des détails sur des bagages qu'il a fait en commun avec Jeff dans la zone l'ouest, par exemple, que ben, la police vient pour continuer à faire des opérations dans toute zone. Par exemple, qui est-ce qu'on s'apporte par là? Eh bien, gang lâche caille pour eux, selon ça, on dit, je ne sais pas si c'est caille pour eux, mais on dit gang lâche caille pour eux, gang lâche machine pour eux, barre l'argent, etc., pour eux-mêmes, ils font le travail qu'ils font. Awol Jean, enfin, remercier une autre fois encore, population qui t'est informée, la police attend, qui permet de arriver à mettre main dans la collecte de marchands des agréments saillants qui décide, faut que le département nous tourné. Même Jean, à divers côtés dans le pays, côté, il y a volé, pillé, tiré, raché, à boulé tout, sans cœur sauté. Jean-Paul Cap-Haïtien, Vision 2000. Merci Jean-Rode Paul. La CIMAC, la police a procédé à l'arrestation de Stenio Ulysse et Reynaldo Aniel. Ils sont accusés de faire partie d'un gang spécialisé dans le vol à main armée, notamment à Fresino, à l'entrée sud de la commune. Une arme à feu a été retrouvée en leur possession, nous dit Guiliano, c'est facile. Ulysse Estenio, alias Caporal, et Aniel Ronaldo, c'est nom de individu la police de la ville Saint-Marc arrêté à cause d'être impliqué dans fait action malhonnête en dedans ville là. Individu Sayo fait partie d'un groupe gang qui spécialise dans les armes sous monde, voler moto, avec toute l'autre qualité ZAC dans la communauté, surtout dans la zone Fresino. Entre ces villes Saint-Marc, groupe Atouvé Sayo, habité opéré dans le corridor de Saint-A, cité Sayé, Axou National numéro 1, pour la police réaliser coup de filet ça, dans le cadre d'enquête, tu as mené. Tes jeunes ont fusil Mac Winchester, modèle 94 AE, qui permettent de remonter à gang ça. Genayo qui a avoué, ils qu'on participé, n'a fait mauvaise action dans la ville Saint-Marc. Pour qu'on y a deux individus Sayo, fermés dans la vie commissariat Saint-Marc, en attendant, le paraît devant juge naturel. Guiliano, c'est facile, c'est Mac. Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile. L'homme d'affaires André Aped ainsi que la chef de gang Vite l'homme innocent Wilson Joseph alias Lambo Sanjou et Johnson André dit Iso ont été sanctionnés par le Canada pour violation des droits de la personne, y compris la violence sexuelle en Haïti. La ministre canadienne des Affaires étrangères a fait l'annonce jeudi au terme de sa visite à Washington où elle a assisté à la 53e assemblée générale de l'Organisation des États américains, OEA. Ces sanctions imposent une interdiction de transaction qui a pour effet de geler tous les avoirs que ces personnes pourraient détenir au Canada. De plus, ces personnes sont désormais interdites de territoire au Canada en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le juge Jean-Wilner Morin a émis hier un mandat d'amener contre l'ancien directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéri, inculpé dans le dossier du massacre de la Saline. Le mandat a été transmis à la DCPJ. Monchéri, qui ne s'est pas présenté hier au cabinet du magistrat instructeur, lui a signifié un acte manuscrit en désistement, reprochant au juge d'être trop proche du directeur exécutif du RNDDH. Pierre Espérance, avec qui
il est un conflit ouvert. L'ex-DG du MICT a aussi indiqué dans son acte que le juge Morin avait pris des positions en faveur de la magistrature contre les intérêts du gouvernement auquel il faisait partie en sa qualité de président de l'Association nationale des magistrats haïtiens. L'ancien délégué départemental de l'Ouest, Joseph-Pierre Richard Duplan, un autre inculpé dans le dossier qui devait répondre aux questions du juge Jean-Renier Morin, a sollicité via ses avocats un report de son audition au 3 juillet prochain. Le commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, Aplis Félix, se félicite de la poursuite des assises criminelles sans assistance de jury dans sa juridiction, dans la perspective de réduire le taux de détention préventive prolongée. Correspondance, Jocelyn Jolissin. Assises criminelles sans assistance jury a continué dans le palais de justice Port-de-Paix dans le département nord-ouest. Commissaire gouvernement, maître Aplis Félix, fait qu'on est, c'est tout appareil justice là dans la juridiction. Doyen, commissaire, substitut commissaire, greffier, huissier qui mobilisé pour permettre à Sissayo, qui a comme objectif principal combattre détention préventive prolongée à réaliser. Chef parquet a continué pour le dire, activité ça a réalisé dans deux salles, yon pour dossier criminel et yon l'autre pour correctionnel, sans pas négliger dossier civil. Maître Aplis Félix, c'est commissaire gouvernement Port-de-Paix. C'est planification de faire avec doyen pour une décrétée permanence sous dossier qui est en état pour juger dans le niveau criminel, yo, avec dossier correctionnel qui est en état autour, pour nous faire deux salles fonctionner, une salle criminelle avec une salle correctionnelle. Planning en fait pour nous aller jusqu'à fin mois de juillet, dans perspective pour nous juger le plus de monde possible, parce que nous avons un pile de monde qui est en prison, nous avons un pile de monde qui attend jugement. Donc nous jouons et support et collaboration personnelle tribunal en ce sens. J'ai remarqué là, nous avons deux salariés qui travaillent. Nous avons avancé pour nous capables de juger le plus de monde que possible, dans la perspective pour nous continuer à agir sous détention préventive prolongée à la juridiction. Assis Sayo qui démarrait 14 juin 2023 a continué pour Albout fin juillet, même année ça, côté plusieurs dossiers qui ont rapport avec vol à main armée, vol de nuit, viol, a bien pour passer devant juge tribunal première instance en département nord-ouest. Jocelyn Jolissin, Port-de-Paix, Vision 2000. Merci Jocelyn Jolissin. La brigade syndicale anticorruption dit prendre acte de la décision du juge Martel Jean-Claude d'ordonner l'arrestation et le renvoi devant le tribunal criminel de l'ancien sénateur Yuri Latortue pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt et de l'ex-président du Sénat Joseph Lambert au correctionnel pour entrave à la justice. Le coordonnateur de la BESEC, Sonson Dumé, dit espérer que la justice triomphera dans ce dossier de corruption. Il invite les deux anciens sénateurs concernés à faire preuve d'anciens hommes d'État. Le syndicaliste Sonson Dumé au micro de Michel Xavier. Nous appuyons avec un pile intérêt décision la justice à travers l'exécution Martel Jean-Claude côté que il a sorti une décision pour poursuivre l'ancien sénateur Yuri Latortue par rapport avec un ensemble d'actes qui ont reproché lui. Donc moi je pense que c'est une décision côté que la justice capable de faire preuve que lui-même, il voulait faire un travail. Donc nous-mêmes, au niveau des brigades syndicales anticorruption, nous connaissons un pays, ça, il y a longtemps que nous avons fait des enquêtes pour ensemble d'institutions qui liées à la justice ou bien la justice tout, à mener, il n'y a pas jamais abouti. À travers AXA, que ce soit sénateur Yuri Latortue ou bien sénateur Joseph Lambert, côté que nous demandé pour présenter devant un tribunal criminel ou bien l'autre instance judiciaire, je pense que c'est un bagage qui montre que le pays a lui-même doit avancer parce que pas oublier ensemble des actes de corruption et impunité qu'a fait dans le pays, côté que l'institution régalienne, l'institution qui pourtant jouer fonction, jouer rôle pour que eux-mêmes permettent lumière faire plus, pas jamais fait. Donc dans ce sens, nous-mêmes, au niveau des brigades syndicales anticorruption, nous pas appelé non seulement question persécution politique, mais nous-mêmes, nous pensons que je pour la justice triompher. Si que monsieur te reproche des actes de corruption, que vous sentez que toi, vous lésé ou bien bon bagage qui pas clair, que eux-mêmes, vous prenez avocat, vous faites ce que de droit. Donc nous-mêmes, nous besoin de dossier ça lui-même, lumière fait sous lui. Donc c'est pour ça que les brigades syndicales anticorruption, nous appuyer ou bien nous d'accord, c'est ma sac à faire pour que lumière fait sous dossier ça. Juge là, dans la décision là, il demandé pour mener ancien sénateur devant un tribunal criminel pour le juger. Et selon toute information, il est passible à emprisonnement selon suite judiciaire. Yo. Bon, de toute façon, nous-mêmes, nous sommes capables de dire que la justice lui-même, c'est une instance côté que il y a tout pouvoir, tout indépendant.
indépendance qu'il doit jouer, il a fait travail. Donc, il y a un sénateur lui-même qui était occupé en ses défenses, notamment au niveau du Sénat de la République. S'il sent que il y a des bagailles qui pas aller bien par rapport avec question loyaux, donc lui-même, il compte pas pour le faire, pas oublier qu'ils sont hommes de loi, non seulement son législateur en même temps tout, il fait droit. Donc nous-mêmes, nous appuyer la justice qui pouvait lumière sur question ça. Donc nous pensons que nous-mêmes, nous pas trop anticiper, nous voulons plus observer ce qui peut intéresser nous, c'est que la justice même qui fait travail, il fait lumière sur question ça. Gagne tout Joseph Lambert qui concernait la décision ça tout. Oui, c'est ça. Pas oublier que la loi tout lui condamné, moun cap fait. Obstacle à la justice. Lorsque l'information vous dit, sénateur Lambert, par rapport à l'enquêteur au niveau de l'ULCC qui était voulu et a fait lumière pour vérifier ensemble des problèmes ou ensemble des bagailles identifiés, que pour faire lumière sur lui, sénateur Lambert, dans le comportement, dans la façon qu'il travaille, il ne peut pas permettre que la justice lui-même fait travailler. Donc, dans ce sens, nous pensons que c'est de bons droits pour que lui-même traîne la justice pour ne pas explication. Donc, si il y a des décisions qui pour montrer que pour punir, donc et tout ça, nous-mêmes, nous restons bon côté de la justice. Donc, et nous pensons que la justice même doit jouir de toute indépendance pour continuer à faire travailler comme ça doit. S'il affirme ignorer le contenu du dossier, l'ancien sénateur des NIP, Francener Denius, soutient la décision de la justice haïtienne de poursuivre ses anciens collègues. Il fait remarquer que c'est aux accusés de prouver leur innocence par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Il en a profité pour continuer de dénoncer la corruption qui gangrène l'administration publique haïtienne. Francener Denius avec Léon Kercivil. Moi-même, je ne suis pas le premier bagage qui fait me battre, c'est la situation gouvernante qui est la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un président qui a légitimité, ou pas un parlement. C'est vrai que le gouvernement, et même dans le cas où il a les affaires au courant, tout à dire, il a guidé. Donc, il est capable de participer dans des rencontres, peut-être en perspective de l'un gouvernement là, pour le faire suite là. Mais nous ne croyons pas que pour le moment, il n'y a rien qui est capable de faire pour la simple et bonne raison. Et nous n'avons pas de parlement, nous n'avons pas de gouvernement légitime. Donc, il y a un ensemble d'institutions nous supposons gagner, nous n'avons pas de. Et en plus, qui capacité nous aujourd'hui a pour nous négocier lorsqu'on est que illégitimité gouvernement ça, tout le monde autour de lui. Donc, moi-même, je pense que son premier ministre très affaibli, très décrié, qu'a négocié de bagailles avec de l'autre État concurrent. Parce que si c'est vrai, eh bien, son petit cobi a mis à la disposition de pays pour relancer l'économie, mais il y a de l'autre concurrent. Donc si il y a de l'autre concurrent, eh bien, faut qu'on en situation pour négocier eh bien, une bonne part du gâteau. Mais maintenant, est-ce que le gouvernement ça fait? Moi-même, moi pas quoi, moi pense que le mieux que nous focus sur comment résoudre crise pour nous retourner dans une normalité, eh bien, à partir de ce moment, en renseigné et avec beaucoup plus de force. Et bien, le gouvernement est capable de parler avec l'autre gouvernement, l'État d'Haïti capable de parler avec l'autre État, tirer avantage de Chita parler ça. Ça veut dire diverses rencontres bilatérales pour le ministre Ariel Henry et l'autre Bora, que ce soit avec le président Brésil, Lucinacho Lula da Silva, et puis le président de la France, Emmanuel Macron, et c'est pour la galerie. Ou presque, parce que le gouvernement va parler avec là. Pas pour sérieux, parce que le gouvernement n'a pas de peuple pour d'ailleurs. Le gouvernement n'a pas de peuple pour d'ailleurs. Bon, peut-être son plaidoyer tout pour Ariel continuellement des occupations dans le pays, mais moun yo konnen pa légitime, yo konnen peuple pa dèyèl, et a toujours hésité, parce que politique internationale ou li lié à politique interne nous. Donc si au niveau interne nous faible, moi-même pas ouais vraiment et qui capacité ou gagne pour imposer sur plan international. Moi-même moi pense que bagaille ka pète là, c'est de face que yo y est. Donc faut que fait, faut que gouvernement ba impression gon bagaille qui va le faire. La participer dans toute conférence, mais moi-même, je ne sais pas quoi ces bagages qui capotent maximum pour Haïti. L'ancien sénateur de l'Ouest.